Après la défaite du PSG au match aller face au Barça, on va voir dans cette vidéo si le PSG peut encore se qualifier pour le match retour. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'avant-match, de ce match retour entre le Barça et le PSG. Ça s'approche puisque finalement, au moment où cette vidéo va sortir, ce sera demain, mardi soir, match retour. Je vais pas vous mentir, je ne suis pas très confiant. On va parler un petit peu de petite preview, on va dire, même si peut-être que je ferai aussi une petite vidéo prono pour essayer d'être un peu plus complet. Dans cette vidéo, on va surtout revenir sur mon état d'esprit, sur quelques infos actu qui sont sorties ces derniers temps, notamment petite déclat de Luis Enrique, petite réaction du côté des joueurs, parce que oui, il y a des infos qui sont sorties par rapport à ça. On va parler un peu de tout ça, du coup, en même temps, on pourra développer sur ce que je pense du PSG et ce que je pense, ce que le PSG peut faire dans ce match retour. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc bon, après la défaite concédée du coup lors du match aller, les Parisiens ont immédiatement fait preuve d'optimisme et ont montré une envie de s'arracher au match retour pour renverser ce résultat. Le résultat d'hier a fait mal, enfin du coup mercredi soir, mais ne les a pas mis à terre. Il va falloir vraiment faire preuve d'optimisme, avoir envie de s'arracher, parce que déjà, je tiens à le dire, ce n'est pas du tout ce que j'ai senti sur ce match aller. Et c'est bien dommage. Un match au Parc des Princes, ça faisait un long moment que le PSG n'avait pas perdu au Parc. Bah, je crois, si je ne me trompe pas, ça datait de. Enfin, en tout cas, en Ligue des Champions, ça datait du match face au Bayern en huitième de finale de l'année dernière. Donc ça faisait un petit moment, ça faisait un petit moment même tout court que le PSG n'avait pas perdu toute compétition confondue. Je le rappelle, ça datait de novembre, c'était face à l'AC Milan. J'étais globalement déçu. Je pense que vous l'avez vu avec les vidéos que j'ai sorties lors de la semaine passée, mon débrief, etc., que j'étais très déçu. J'étais très déçu en termes d'attitude, notamment vis-à-vis de certains joueurs. Je vais pas le reciter ici, mais voilà, un certain numéro 7 du PSG m'a extrêmement déçu parce que je l'attendais comme facteur X de cette double confrontation et notamment de ce match aller. Et au final, il a été un facteur négatif, limite, j'ai envie de dire. Il a plus été là contre le PSG parce que la stat est sortie, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, la stat des kilomètres parcourus lors de ces quarts de finale aller. Le PSG est l'équipe qui a parcouru le moins de kilomètres. Et on va pas se mentir que Kylian Mbappé a une grande importance là-dedans. Quand un joueur banal en Ligue des Champions tourne à peu près autour des 10 km et puis t'as Kylian Mbappé qui tourne autour des 5-6, tu te dis bien qu'il y a un problème. Donc voilà, oui, j'attends beaucoup plus d'envie. J'espère qu'ils vont faire preuve d'optimisme et une envie de s'arracher. Maintenant, la réalité, et moi je vais pas faire preuve de trop de confiance, où je vais pas me faire aveugler par le fait d'y croire, par le fait d'être supporter. Bien évidemment que il y a toujours ce petit espoir, et en tant que supporter, t'espères que ton équipe va aller chercher quelque chose, que voilà, on espère vraiment, et j'espère de tout cœur que le PSG va aller chercher quelque chose au Barça, va aller se qualifier là-bas, ce serait magnifique. Et en plus, on en avait parlé, la stat est sortie, mais jamais un club français n'a réussi à inverser la tendance quand ils avaient perdu à l'aller en Ligue des Champions. Donc bien évidemment, si jamais aucun club français ne l'a fait, c'est-à-dire que le PSG ne l'a pas fait, on s'en rappelle, hein, le PSG, très souvent quand même, quand on perd nos matchs aller, on va pas les gagner au retour, donc et encore moins à l'extérieur. Donc on espère, on espère, on espère. Maintenant, j'ai quand même vu des choses très négatives à l'aller. J'espère que ce sera rectifié pour le retour. On va quand même un petit peu y croire, même si vous connaissez mon avis. Je pense que là, le Barça a pris une option assez importante et je vois le Barça se qualifier malheureusement. Je sais que peut-être certains derrière cette vidéo ne vont pas encore l'accepter, vont y croire jusqu'au bout. Pour moi, à l'heure actuelle, connaissant un petit peu le passif du PSG, quand j'ai vu certaines attitudes, certains trucs par rapport au match aller, la compo de départ qui était peut-être pas la bonne, la première mi-temps ratée, les attitudes de certains. Voilà, quand tu mets ça bout à bout, sachant que tu étais au Parc et qu'en plus le Parc avait une magnifique ambiance, tu perds 3-2.
Donnarumma, pas rassurant. T'as des certaines individualités qui ont fauté, Beraldo, etc. C'est franchement, je suis pas du tout positif pour le retour. Maintenant, on verra et on espère que ils vont mettre le bleu de chauffe. L'optimisme règne au sein du vestiaire du PSG malgré la défaite subie face au FC Barcelone. Les rouges et bleus souhaitent s'arracher afin de poursuivre leur aventure européenne. Les Parisiens sont déterminés à corriger ce qui a été mal fait. Bah j'espère, après que l'optimisme règne au sein du vestiaire, je trouve ça un petit peu culotté quand tu viens de perdre 3-2 le match aller chez toi, sachant que le PSG est la seule équipe qui a perdu à domicile hein, de ces quarts de finale. Donc je trouve ça un petit peu gros, encore une fois, ça montre pour moi peut-être un petit peu trop d'arrogance du côté du groupe du PSG. Et peut-être que déjà sur ce match aller, on avait un petit peu trop de confiance, d'arrogance, ou peut-être un peu au-delà de l'arrogance. Peut-être un peu on voit tout beau, tout rose, alors qu'il y a une situation quand même plutôt en ta défaveur. En tout cas, voilà, je vais pas me répéter. Oui, il va falloir s'arracher. Déjà, ça fait plaisir qu'en vrai, au sein du vestiaire, ils y croient encore, parce que bon, les autres années, voilà, hein, peut-être que mentalement, on était un peu plus faible là-dessus et que le groupe était un peu moins, on va dire, uni et prêt à aller faire quelque chose. Prêt à être déterminé à aller faire quelque chose, mais je n'y crois pas. Tout simplement, je n'y crois pas. Donc on verra ce qui va se passer et puis on sait jamais. Hein, peut-être. Hein. Mon petit côté supporter va supporter, mais bon, voilà. Je me répète un peu, mais voilà. Luis Enrique, après la défaite du PSG contre le Barça, on a fait un bon match contre une équipe très forte. Bon. Pareil, j'ai des choses à redire là-dessus. On va aller à Barcelone avec beaucoup d'envie, bah, je l'espère aussi, hein, parce que pareil, à l'aller, il n'y a pas eu beaucoup d'envie, notamment sur la première mi-temps, je trouve. Pour nous, ce sera une finale, j'ai confiance en mon équipe. Bah, tant mieux que Luis Enrique ait confiance en mon équipe. Malgré tout, je vais le dire, parce que Luis Enrique, en plus, le pauvre, enfin le pauvre, c'est vrai que la compo de base pouvait poser question. Après, il a quand même répondu à certaines problématiques. En vrai, Marquinhos latéral droit, on l'avait plutôt tous demandé. Moi, je pense que si Zaïre Emery ne démarre pas, c'est parce qu'il y avait quand même une petite alerte physique. Je pense que il avait peut-être pas, ou en tout cas, c'était risqué de tenter de l'envoyer direct au charbon et de lui faire jouer 70-80 minutes, imaginons. Par contre, oui, c'est vrai que. Le choix Asensio, Lee Kang-in en même temps, ça a un petit peu, voilà, ça a un petit peu irrité. D'ailleurs, j'ai vu quelques trucs passer sur Lee Kang-in, comme quoi au sein du club, on était très 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 déçus du rendement de Lee Kang-in. Et bah, c'est bien qu'au sein du club, on s'en rende compte, parce que moi, je trouve que dans la commu PSG, on s'en rend compte de plus en plus. On était un peu hype au début de saison. Il avait fait 2-3 bons trucs en pré-saison, c'était sympa. Enfin, il avait fait un bon match face au Havre, après il s'était blessé. Il était revenu avant de partir avec la Corée où il avait montré des trucs sympathiques. Mais en fait, moi, je trouve que Lee Kang-in, il est. Je sais pas comment expliquer, mais à chaque fois qu'il démarre titulaire, je le trouve cramé au bout de 15-20 minutes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Lee Kang-in joue titulaire, je le trouve plutôt bon et cohérent pendant les 15, 20, 30 premières minutes. Et après, je trouve qu'il a un gouffre. C'est-à-dire que d'un coup, il plonge. Je ne sais pas si physiquement, peut-être le fait qu'il ait été blessé en prépa, début de saison, digérer son transfert et tout, je ne sais pas si c'est ça qui fait que tu as l'impression qu'il est cramé au bout de 20 minutes, ou si c'est la dimension athlétique, il a du mal à s'adapter à la Ligue 1 ou quoi, mais il va falloir régler ça. Et c'est pour ça que Lee Kang-in, je le trouve bien meilleur quand il rentre et quand il est super sub. Vite fait, pour revenir sur cette décla de Luis Enrique, on a fait un très bon match, je ne suis pas. Totalement d'accord avec lui sur ça. La première mi-temps du PSG pour moi est totalement ratée. La deuxième mi-temps, certes, t'as réussi à corriger des trucs et ça a été globalement beaucoup mieux. Et sur la deuxième mi-temps, je trouve que le PSG est quand même mal payé de se prendre deux buts. Maintenant, on a joué une équipe très forte. Moi, j'ai le pire, c'est encore une fois, c'est pas pour offenser le Barça. Bravo aux Barcelonais, bravo au Barça, bravo à Xavi. Ils ont bien géré le coup face au PSG. Ils remportent le match, c'est tout à leur honneur. Mais pareil. J'ai pas trouvé que c'était un grand Barça offert en face, pardon. J'ai pas trouvé que c'était une équipe très forte. Et c'est ça qui est inquiétant et qui va m'inquiéter aussi pour le retour. C'est que je pense que le Barça peut donner plus que ce qu'ils ont donné sur ce match aller, même si ils ont été plutôt solides défensivement. Devant, ils ont été clutch. Mais
J'ai pas non plus trouvé un énorme Barça personnellement. Le quotidien AS se moque de Luis Enrique, l'ADN ne suffit pas, le coach du PSG avait déclaré mieux représenter le Barça que Xavi avant le match. Et c'est vrai que Luis Enrique s'est peut-être fait piéger par ça, car oui, il a voulu absolument baser son équipe sur la possession, le contrôle, etc. Xavi, lui, a bien joué le coup en se basant sur d'autres choses, notamment le jeu en pivot de Lewandowski qui a très bien fonctionné. Et pour finir la vidéo, Vitinha et Nuno Mendes, les deux Parisiens qui ont vraiment assumé leur rôle face au Barça, et d'assez loin, c'est vrai, mais c'est pas les seuls. Moi, je mettrais aussi dans le lot Marquinhos. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais Marquinhos, je l'ai trouvé vraiment bon face au Barça. Et puis, ouais, après, globalement, c'était vraiment les trois tops. Pour moi, on va finir la vidéo là-dessus et aussi un petit peu Dembouz. Même si Dembouz, il y a eu des creux à des moments, mais globalement, Dembouz, je trouve, fait un match, on va dire, cohérent. En plus, il est buteur. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.